Tout aussi simple et délicieuse, oh, ma salade aux pois chiches subtilement préparée 15 secondes. Nous, ça serait sur les marques, papa. Dans les personnes, dans le même niveau, on va y revenir. C'est facile d'adopter les mauvaises. Nous, on est au pas le cadet. Un jet de plus, un enfant va plus responsable avec 70%. C'est sûr que si quelque chose qu'on va faire, c'est le petit geste que j'adore pour votre petit enfant. Qui est encore et toujours beaucoup d'entrée financière dans cette vie. Qu'est-ce que c'est que ça? D'une licence en finance et maquilleuse professionnelle. Je viens ici témoigner des bienfaits de Women in Move dans ma vie. Women in Move est une association différente des autres associations que nous pouvons rencontrer aujourd'hui. Women in Move encourage les femmes à entreprendre, encourage les femmes à se bouger, à être utiles, encourage les femmes à être financièrement indépendante. Women in Move est une association pour des femmes qui ont une vision, pour des femmes qui veulent changer quelque chose autour d'eux. Women in Move est une association qui rassemble et qui porte haut la femme. Je remercie Women in Move parce que grâce à ces ateliers de formation, j'ai su apprendre beaucoup de choses qui m'aident et qui m'aideront dans le futur. Merci Women in Move. Merci. Salut, comment allez-vous? Moi, c'est Priscilla Kwame, résidente en Côte d'Ivoire, plus précisément à Abidjan. Je suis dans la confection des sandales en cuir. Je dis merci à l'association Women in Move pour son organisation, pour sa perspective afin d'aider les femmes dans leurs activités. Et je vous invite à leur cérémonie qui se tiendra afin que vous puissiez suivre et vous puissiez les aider encore plus à pouvoir motiver encore les femmes à pouvoir travailler et aller de l'avant. Je vous remercie. Bonjour mesdames, je suis Gisèle Nkili et je voudrais vous dire un mot concernant l'association WIM. WIM qui signifie Women in Move, les femmes en action, les femmes en œuvre. Alors, si vous êtes une jeune femme, vous avez des talents, vous avez des aptitudes dans quelconque domaine et vous voulez les faire valoir, vous voulez les partager avec d'autres femmes comme vous, vous voulez en apprendre davantage parce qu'on a toujours à apprendre, eh bien, WIM est la plateforme par excellence pour votre épanouissement. La promotrice de cette association, Madame Jérès Batoum Madeleine, que je connais depuis plus de 10 ans aujourd'hui, est une femme dynamique, travailleuse et vraiment persévérante. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut et qui se donne les moyens par la grâce de Dieu, n'est-ce pas, pour atteindre ses objectifs. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cette vision qu'elle a eue par rapport à cette association et le travail qu'elle fournit, qu'elle abat tous les jours, n'est-ce pas, pour la mise sur pied opérationnelle de cette association. Alors, bienvenue à WIM, exprimez-vous, sentez-vous à l'aise. Et que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une très bonne année 2021 par anticipation. À très bientôt. Salut. Je m'appelle Philippe Aonoff. Je fais cette vidéo pour encourager l'entrepreneuriat féminin tout d'abord, mais surtout féliciter l'association Women in Move qui a compris que la femme est un maillon essentiel développement économique de nos sociétés et que
par l'entrepreneuriat féminin, elle peut effectivement apporter une importante contribution à ce développement-là. Et donc la soirée que l'association Women in Move organise me rassure encore, me reconforte à l'idée de savoir qu'il y a des jeunes dames qui ont pris conscience du potentiel entrepreneurial qui sommeille en elles et qui veulent partager cette vision, cette philosophie en encourageant d'autres dames, d'autres femmes à les rejoindre dans cette dynamique-là. C'est donc l'occasion pour moi, à travers cette vidéo, d'inviter toutes celles-là qui n'ont pas encore pris le train en marche, qui n'ont pas encore pris conscience du potentiel qui sommeille en elles, afin qu'elles puissent rejoindre l'association Women in Move et développer ensemble le potentiel entrepreneurial féminin pour un développement économique intégral de nos sociétés. Je vous souhaite bonne fête, je vous souhaite de prendre ce moment de festivité comme un moment de renouvellement de tout, les questionnements autour de l'apport de la femme dans le développement, autour de la prise de conscience de ce que la femme est une force économique importante qu'il ne faut pas négliger, et un moment aussi d'autocritique, parce que les femmes parfois sont les premières victimes de ces sociétés-là foncièrement phallocratiques. Et je crois que des mouvements comme l'association Women in Move doivent vraiment être encouragés. Salut, salut. Bonjour, bonjour, je m'appelle Lova, je suis Lova Niembasson. Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis, pour commencer, assistante en enseignement. J'enseigne la langue française en université. Et puis, je suis aussi autrice ou auteur, si vous préférez, ou écrivaine. Et enfin, je suis coach. C'est ça mon domaine d'entrepreneuriat. Je suis coach de vie, motivatrice de masse, motivatrice personnelle. Un mot d'encouragement à la femme qui m'écoute aujourd'hui et qui se demande, qui hésite encore et qui se dit, est-ce que je dois entreprendre? Est-ce que j'ai le potentiel? Est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai quelque chose à donner? Oui, tu es capable. Oui, tu as quelque chose à donner. Oui, tu as un don. Oui, tu as un talent. Oui, tu as du potentiel. Oui, tu as tout ce qu'il faut. Oui, tu es belle, tu es intelligente, tu es capable. Que jamais personne ne te dise le contraire. Écoute, nous sommes à l'orée d'une nouvelle année et c'est l'occasion de sortir de ton tiroir tous ces projets auxquels tu as pensé, toutes ces choses que tu as voulu faire. Mais tu as souvent hésité parce qu'il n'y avait pas la bonne personne pour t'encourager. Il n'y avait pas la bonne personne pour te booster. Il n'y avait pas. Tu te disais, c'est pas possible. Regarde, il y a l'association Women in Move dont je vais parler dans quelques minutes. Mais c'est l'occasion de déjà sortir tes projets, de déjà ressortir tes rêves et de te dire, de savoir que tu es capable. Lève-toi. N'oublie surtout pas que la communauté a besoin de toi, le monde entier a besoin de toi. Nous ne sommes pas, nous les femmes, nous ne sommes pas appelées à servir uniquement nos familles, uniquement nos maris, uniquement nos enfants. Le monde a besoin de nous entendre. Et nous sommes, une fois de plus, à quelques encablures de 2021, c'est le moment de se lever. C'est le moment de se dire, je fonce. C'est le moment de se dire, ma mère aimait dire, nous ne sommes pas nés pour accompagner les autres. Non, tu n'es pas né pour nous accompagner. Non, tu n'es pas né pour nous voir à travers ton écran réaliser des choses et t'asseoir en te demandant, quand est-ce que mon tour va arriver? C'est ton tour maintenant. C'est le moment maintenant. Lève-toi, saisis, écris ta vision, cours avec ton rêve et entre dans la réalisation dans l'entrepreneuriat en 2021. Alors, qu'est-ce que je pense de l'association Women in Move? Je pense que c'est le lieu par excellence pour développer un puissant réseautage. C'est le lieu par excellence pour faire des connexions, pour rencontrer des gens, pour rencontrer des femmes qui, comme toi, hésitaient, pour rencontrer des femmes qui, comme toi, à un moment, doutaient d'elles. C'est le lieu où tu pourras écouter des témoignages, écouter des histoires, écouter même des femmes, rencontrer des femmes qui ont des visions qui s'apparentent à la tienne. Et à ce moment, tu pourras te dire, waouh, si elle a réussi, si elle a fait, si elle a été capable, alors moi aussi, je suis capable. Je t'encourage. Un seul nom, Women in Move. Sur ce, je vous souhaite à tous.
toutes et à tous ceux qui m'écoutent un formidable Noël, de formidables fêtes de fin d'année. Je vous souhaite une bonne année 2021 en avance. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde et qu'il fasse lui sa face sur vous. Surtout qu'il essuie nos larmes, qu'il essuie les larmes de ceux qui ont pleuré en 2020. Ça a été une année éprouvante et nous comptons sur sa grâce pour que 2021 soit vraiment définitivement différent, mais que ce soit différent dans le positif, que nous allions de gloire en gloire. Joyeux Noël, très bonne année 2021 et à très bientôt dans l'association Women in Move.